J'ai l'impression que ma souris répond même plus. Tellement je clique. Waouh, j'ai réussi à faire le feu. Incroyable. À une époque, je faisais ça. Je l'ai lancé en fait. Il se cassait au sol. Je sais pas si ça marche. Waouh. Ah. Je t'ai attaqué. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Voilà, le retour de la survie sur Stranded Deep. On va reprendre dès le début, depuis le début, avec la scène de l'avion. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse apprécier. Attention les oreilles. Voilà, classique. On prend l'avion, on se crash. On va tomber dans un endroit complètement paradisiaque, mais on sera tout seul. On sera tout seul et on devra survivre dans des îles. Donc le but du jeu, c'est de la survie. Déjà, première survie, c'est de s'extirper de l'avion en flammes, ça serait pas mal. C'est bien, on a survécu au crash déjà, c'est pas mal. Et là, ça pète. Voilà, on va se faire éjecter. On va bien entendu atterrir sur notre radeau, forcément. Sur notre petit radeau. Donc première chose à faire, on prend la pagaie. On se pose au poste de commande et on avance. On va sur la première île qu'on voit et donc vous voyez, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un vieux jeu, mais qui est toujours mis à jour en fait malgré le temps. Et ça c'est plutôt cool. Donc la première chose à faire c'est de se mettre en sécurité, donc toucher voilà, le sol. Donc on récupère notre raft, on le pose comme il faut pour pas qu'il s'envole. Ensuite on récupère un peu tout ce qu'on trouve. Alors attention, les petits crabes là, si on les touche, ils piquent. Si je marche dessus, ils vont me pincer. Donc pour l'instant, on va les éviter. On va récupérer des sticks, des wood sticks, des cailloux. Donc presta pour ouvrir l'inventaire. Voilà, l'inventaire est là. Hein. Des cailloux, les sticks. Donc j'ai trois cailloux, c'est ça. J'ai un stick, wood stick. Donc là, je rajoute un caillou. Les cailloux se stack par, je sais plus, par 3 ou par 4, je sais. Non, par 4 ou plus, je sais plus. Donc on va éviter les petits crabes, on va essayer de trouver du stick. Quoique, press C to open crafting menu. Donc le bouton C pour le craft, on doit crafter un stone tool. Donc un petit couteau, c'est un caillou un peu aiguisé qui va nous servir de couteau en fait. Il va nous servir à autre chose aussi. Ah, attendez, on récupère déjà ça. Il me faut du stick, il n'y a pas beaucoup de stick. Là c'est des planches. On les prend quand même. Donc l'inventaire est pas illimité. Hein. Donc faut pas abuser non plus. Ok. Attendez là. Il y a un petit problème ici. Là. Non, ça va. On prend les cailloux encore. On va prendre tous les cailloux qu'on trouve. Highlight a refined knife. Ok. On peut highlight. Donc sélectionner ça. On fait un clic droit dessus. Et là-haut, ça nous dit ce qui nous manque pour le crafter. Donc là, il nous manque de la corde. Et la corde, ça se fait à base de yucca. Le yucca, c'est une plante. Voilà, c'est ça, le yucca. Ils n'ont pas changé la texture du yucca, ça c'est cool. Depuis le temps. Ça, c'est bien qu'il n'ait pas changé. Donc on récupère les fibres. Voilà, les petites feuilles. Avec ces petites feuilles, on ouvre notre inventaire et on craft du lashing, de la corde. Et à partir de là, on peut crafter notre premier couteau. Voilà, donc là le couteau on le prend en main ici, tac, il est là. Donc maintenant hold F, voilà, pour voir la montre de survie. Donc ça c'est notre montre qui est dans nos indicateurs de santé, de soif, de faim. SPF, je sais pas ce que c'est ça par contre. Il y a la date, il y a l'heure et l'indice UV. Ensuite ça doit être des compétences je suppose. Your current stats, skills and conditions in 3 separate modes. Ok, ça c'est les skills, donc c'est l'arbre des compétences en gros. Je sais pas comment ça monte mais bon. Statue effect healthy. Ok, on n'a pas de. Ça, c'est si on est empoisonné ou si on est malade ou ces trucs-là. Donc là, pour l'instant, on est bon. Donc je dois tuer un crabe. Avant ça, on va s'occuper de cet arbre et on va récupérer un peu de stick parce que j'en ai pas beaucoup. Du coup, j'ai un peu trop de cailloux. Donc ce caillou-là, attendez, je vais jeter le bon, je me trompe pas. Non, les planches en fait.
Les planches, j'en ai pour l'instant pas besoin, donc je vais les laisser là. Alors, s'ils n'ont pas changé les règles du jeu, c'est vu qu'on est en solo, c'est du persistant. Donc, ce que je jette là, ça doit rester. Alors, ça doit pas dépop, logiquement. Si ça n'a pas changé, bien sûr. Alors, il me faut un crabe. Donc, je vais faire le tour de l'île. Après, les îles sont très petites. Comme vous voyez, là, on voit les îles. Par exemple, il y a une île là-bas. Il y en a une là, il y en a une ici. Il y a plein d'îles en fait. Tout. Quand on est sur une île, en gros, on voit toutes les îles aux alentours. Voilà. Ensuite, c'est à nous de nous balader. Ça, ce petit truc violet, ça doit être un truc de empoisonnant, ça. C'est quasi un petit crabe ici. Voilà. Tac, on met un coup de couteau, on le skin. Donc, on le vide. On prend ce qui nous intéresse. Oh, gross. Gross. Donc, maintenant, on doit crafter un feu de camp. Alors, le feu de camp, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rester à l'ombre. Yuka, ça déjà, je ramasse. Ça m'intéresse, le Yuka. On va crafter directement le lashing, histoire de nous vider un peu l'inventaire. Voilà. Histoire de vider le Yuka et avoir du lashing. Donc là, j'ai le morceau de crabe ici. Il faut que je fasse un feu de camp. Alors, le feu de camp, j'aimerais bien le faire à l'ombre, en fait. Parce que le feu de camp, c'est un peu une galère. Je vais le faire là. Je vais rester à l'ombre et je vais le faire là. Le feu de camp, en fait, c'est une galère. J'ai essayé de rejouer tout à l'heure et j'ai pas réussi à le faire. Donc le feu de camp, c'est fait. Maintenant, il faut l'allumette. Bon, c'est une allumette artisanale. Hein, c'est pas une vraie allumette. Non, pas ça. Pas celui-là. Celui-là plutôt. Il me faut du bois. Donc pour taper, on garde le clic enfoncé. Ok, avant il y avait un bug qui était harvesting level up. Ah, j'ai level up. On va voir ça de suite. Hop, je suis bloqué là. Ah, je suis bloqué. Level up, alors. Ah oui, j'ai level up. Ok, harvesting. Oula, pardon. Ouais, j'ai pris deux levels là, c'est cool. Du coup, le kindling. Ça c'est fait, on le prend en main. Et vous allez voir, c'est pas forcément évident de faire du feu en fait. J'ai pas compris comment faire le feu pour l'instant. On va voir si je comprends mieux ici. En tout cas, ça a l'air de prendre là. Il y a des étincelles. En fait, faut alterner clic droit, clic gauche. Ça prend pas là ? Est-ce qu'il faut monter ? Vous allez voir. Si je monte la barre trop haut, il va se cramer. Il va se cramer et c'est pas cool de se cramer. Voilà, tu vois. Et c'est cramé. Et du coup, ça retombe tout en bas, en fait. C'est un peu... Le feu, c'est vraiment une galère, quoi. C'est dur de faire du feu dans le jeu. C'est très dur de faire du feu. Après, il y a un mode multijoueur. Bon. Le mode multijoueur, comment dire, c'est un mode local, en fait. C'est un mode multijoueur local, donc c'est un écran splitté. Mais l'avantage avec Steam, c'est le Remote Play Together. Ah, je vais y arriver là. Ah ! Ah, c'est une galère. Ah ! Je perds ! J'ai l'impression que ma souris répond même plus. Tellement je clique. Waouh ! J'ai réussi à faire le feu. Incroyable. Oh là là, cook the crab. Waouh ! J'ai réussi à le faire. Alors comment... Hold E, tu l'attaches. Ah, c'est cool ça. Une petite animation avec un petit... Campfire can be... J'ai pas le temps de dire. Pick a coconut. By holding space to climb trees. Ah, d'accord, on peut monter, on va escalader après. To extinguish... Small crab meat. Comment je sais quand il est cuit? On va faire ça d'abord. Hop, donc on appuie sur espace, on escalade. On fait tomber les noix de coco. Ah, d'accord. Ok, c'est toujours autant bugué l'escalade. C'est bon, c'est cuit là? Comment je sais si c'est cuit ou pas? Small crab meat, food one serving.
Je sais pas si c'était cuit. Bon, on va dire que c'était cuit. Alors. Alors ça, c'est un peu aussi une galère dans le jeu. Parce que là, en fait, je vois pas plus loin que ça, quoi. En fait, je peux pas me tourner plus. Du coup, j'ai escaladé au mauvais endroit. Ok. Alors, attendez. Hit the coconut with a refund knife to open it. Ok, ça, c'est après. Il faut d'abord la faire tomber, dans notre coco. On va pas prendre ce palmier parce que... Parce qu'il m'aime pas. On prend celui-là. Toi, tu m'aimes bien, toi, non? Ah, d'accord. Toujours la même galère. Ok. Non, mais c'est... Est-ce qu'il faut se mettre pile en dessous ou faut se mettre en face? Je vais essayer de mettre pile en dessous. C'est pas évident parce que... Voilà, je m'étais mis pile en dessous, mais il a pas voulu. Ah, presse E. Ah, voilà, c'est bon. J'ai réussi à avoir ma noix de coco. Donc on la pose au sol, on prend le couteau. Et on tape dessus, jusqu'à ce qu'elle se casse. Tac. Drink left. Cool down. Tac. Left mouse. Voilà, on boit la noix de coco. Donc ça va remonter notre jauge de soif. Cut down a palm tree with an axe. And chop the leaves. Ah ouais, d'accord. J'ai pas de hache, moi. Normalement, on peut la casser. Et ensuite, manger le... Voilà, manger ce qu'il en ressort. Ce qui paraît logique. Ouais, niveau bouffe, de toute façon, je suis plein. Donc... Maintenant, on me demande de faire tomber un palmier avec une... Ah, c'est quoi ce menu? Quick Craft. Ah, Quick Craft, d'accord. Fire Pit. En restant appuyé sur C, on a le craft rapide. C'est intéressant. Ils m'ont dit avec une hache. Une hache, Creed Axe. Il me faut juste... Ah, il me faut juste... Il me faut pas grand-chose pour l'avoir, la hache. Oh, c'est quoi ça? C'est... Stone Tool. Stone Tool. Il me faut des Stone Tools. Est-ce que je peux en avoir les stone tools? Il m'en faut deux. Normalement, c'est bon. Mais c'est bon, je peux faire la hache. Ok. On va la poser ici. Ah! Attends. Ah! C'est passé. Ah! Not enough in inventory. Ok. Je peux pas la poser? Ah bon, je peux pas poser en fait. D'accord. Ok, je suis obligé d'annuler. D'accord. Ça, j'ai pas besoin de le garder en fait. La pagaie, je vais la laisser sur mon radeau. Donc pour jeter, c'est simple, on appuie sur A, hop, ça jette. La pagaie, on la laisse sur le radeau, et du coup, je vais me faire ma petite hache. Yes, nickel. Donc là, on va tomber des palmiers. Je sais pas si les palmiers poussent. À l'époque, les palmiers ne repoussaient pas. Maintenant, je sais pas s'ils ont corrigé ça. Ça serait pas mal d'avoir des palmiers qui poussent. Ça serait bien. Boum! Donc ça fait de la coco aussi. Donc maintenant, on va éclater ça. Maintenant, on a palm tree with an axe and chop the leaves into palm fronds. Donc il faut récolter les feuilles en fait. Les feuilles des palmiers. Et ça, on peut. Le woodlog, pour l'instant, on va le laisser. Il nous a rien fait de mal. Craft shelter. Un shelter, donc un abri. On va crafter notre premier abri. Il me faut du wood stick. J'ai pas de wood stick. Ok, on va faire ça. Donc on termine, on coupe le wood log, donc les gros rondins de bois, pour en faire des petits sticks, des petits bâtonnets. Histoire de pouvoir... Voilà, tac. C'est bon, il y a tout est pris. Ok. Ça, je vais le ramener par là. On va faire notre premier abri à côté du feu. Là. Donc là, on peut faire notre premier abri, ici. Alors, je suppose qu'on peut le tourner. Non, on peut pas le tourner. On va pas le tourner. Ah d'accord. Pour le tourner, il faut se tourner soi-même. Ok. Donc je vais le mettre ici. On va bien le mettre à côté du feu. Mais pas sur le feu non plus. J'ai peur de me cramer en fait là. Voilà. C'est bon. Nickel. On peut dormir. Water. Craft water steel. With fibrous leaves or water steel. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Water steel, c'est ça. Ah oui, mais il me faut des trucs que j'ai pas là. Coconut flask.
Ah bon? Il m'en faut des choses. Attendez, il faut une bâche. Coconut flask. Flask, c'est quoi ça? C'est un truc de noix de coco, mais c'est quoi? Okay, attendez, on va récupérer ça. Je pense que c'est la coco qui est cassée, c'est ça? Je crois. C'est ça, non? Drinkable. Non, ça c'est drinkable, ça n'a rien à voir. Empty drinkable coconut. Ah, mais j'ai pas vu l'inventaire. C'est peut-être autre chose. Attendez. Là je sais pas ce que c'est, ça. J'ai jamais vu ça. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Ah, il y a des crafts qui sont bloqués. Coconut flask, c'est quoi ça? Alors, la coconut flask, qu'est-ce donc? Ouais, je sais pas du tout. Coconut flask, voilà. Bobber. Il me faut une noix de coco, ok. Bon, vous savez quoi, on va essayer de récupérer déjà une bâche. Ah non, mais il va faire nuit. Il va faire nuit, en fait. Il va faire nuit, je vais pas y voir grand-chose. Après, on a un bateau à explorer qui est juste là aussi. On doit peut-être y aller. Ce serait peut-être pas mal d'y aller, d'explorer les petits bateaux. Alors, est-ce que... À quelle heure il est? Il est 11h... Non, 18h11. Si je dors maintenant... Hold U to sleep, save. Sleep. À voir si dort bien toute la nuit. Ok, je me suis couché à 18h, je me lève à 6h. D'accord. Pour avoir un peu un aperçu de... par contre là, si j'y vais comme ça, full inventaire plein, ça va pas le faire. Ouais, vous voyez, normalement l'inventaire reste. Bon, le feu s'est éteint, il faudra le rallumer. Pour l'instant, on va pas le rallumer. Alors. Ça, je le mets là. J'ai pas besoin de me le trimballer. Ça aussi, pas besoin de trimballer. Bon, je vais tout poser là. Alors, on pose tous les cailloux. On pose ça. Bon, j'y vais comme ça. Même la hache, c'est pas la peine. J'y vais juste avec mon petit couteau. On va aller voir ce rafio là. Si on peut monter, ça serait bien. Alors normalement, il y a plusieurs niveaux. Ah non, là il n'y a pas de cargaison en dessous. Ah, d'accord. Ah ouais, lui c'est vraiment un tout petit rafio ça. Ok. J'arriverai pas à aller comme ça. Il me faut absolument ça pour me servir de tremplin, en fait. Tac. Il y a quelque chose là-haut. Alors, boy balls. Boy balls. Des bouées, quoi, en gros. On va les envoyer sur mon île. On va les envoyer sur l'île, ça. T'en vas loin ou pas? Ouais, pas trop. Je sais pas si ça peut servir, on verra. Après, je sais pas si ça sera mon île jusqu'au bout, on verra. Ce sera peut-être pas du tout mon île à la fin du... Dans quelques... Tu veux pas monter? D'accord, il veut pas monter à l'échelle, très bien. Alors, qu'est-ce que ça cache ici? Cloves. C'est tout? Non, c'est tout. Oh là là. Voilà. Ah, voilà. Gyrocoptère part. Ah, on peut faire un gyrocoptère maintenant. Waouh. Ah oui, d'accord. Avant, on pouvait faire que des bateaux. Bon, maintenant, ils sont partis sur le gyro, apparemment. Sous mes bouées. Ah, vous voyez? Ça bouge, en fait. On part pas loin. Ne t'en va pas, j'aurais besoin de toi. Parce que si je perds mon petit raft, là, c'est terminé. Ah, il a réussi à escalader. Nickel. Boussole. Ah, ça c'est cool, la boussole. La boussole, c'est vraiment l'élément de survie dont on aura le plus besoin.
Il y a du tissu là aussi. La tac cloths. Ok. C'est pas mal. On est à comment là? Niveau bouffe et tout, on commence à avoir faim un peu. C'est normal. Voilà, les bouées se sont barrées, tant pis. Là, il y a un coffre. Alors, du scotch. Ok. Là, il y a encore du cloth ici. Il va y avoir un coffre là aussi. Yes. Oh, un petit flair là. Lever, flair gun. Je commande niveau inventaire, je suis full. Ok. Un petit drinkable coconut. Ah ben je peux la casser et la manger en fait. Ça je peux casser et manger. Hop, on prend ça. Donc le flair il sert un peu à rien. Parce qu'on est un peu tout seul là, donc pas trop d'intérêt. Quoi? Not enough room in inventory. Ça je vais le garder quand même si ça sert à rien. De toute façon dans ce jeu on garde tout ce qui sert à rien, donc c'est la base. Ma base est ici, hein. Faut pas que je la perde de vue. Tac, on mange ça. On se remet un peu de santé. On va aller là-bas. Tac, ça on le pose ici. Bon, ça me servira peut-être à rien, mais. Une seule bouée, je pense que ça sert à rien. On va aller voir ce qui se cache là-bas là. Allez. On met le rafio. Ok, tac, on reprend ça. Non, oh, on a vu la pire vue de l'histoire là. Hold E to pick up. Voilà. On se met. Ok. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'il y a ici là. Sur. Bon, les bouées sont. Les bouées, j'ai. Ah, je vois encore les bouées. Ouais, on voit encore les bouées là qui sont en train de tracer leur route. Je pourrais les récupérer, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est le haut d'un bateau en fait. Ah, d'accord. Donc, bien sûr, il y a des ennemis dans le jeu. Hein. Les requins, forcément. On espère ne pas trop en croiser. Ah, une lanterne, ça c'est pas mal. Ah, je suis full. Ah, mince, j'ai pas vidé mon inventaire. Il y a des bouées encore là. Donc, c'était juste ça. Au pire, ça, je pourrais revenir. Faut pas que je perde mon île de vue. C'est ça qui va être un peu compliqué là. Ça sera de perdre l'île de vue. J'aimerais ne pas la perdre. Ok, donc là on va passer là. Faut vraiment que j'ai. Il faut que je me choisisse une île et que j'en sorte pas en fait. La maniabilité est pas évidente. Hein. C'est pas fluide. Hein. Bien là, sinon tu vas partir je ne sais où. Wow. Ah bon, le jeu a encore ces petits bugs là. Attends, tac. On va poser ça ici. Voilà, ça c'est bon. Je vais poser un peu tout ce que j'ai récupéré. C'est bien ici mon. C'est pas ici mon camp. Ah, il est là. On va poser un peu tout ce qu'on a récupéré. On a pas mal de stuff là. Ça, gyrocopter part. Tout ce qui est tissu, on pose. Ouais, je pose tout un peu à l'arrache. Hein. De toute façon, on va pas faire des meubles. Hein, on va pas... Alors. Alors, tac. Voilà, le nord. Tac. Nord est là, c'est du rouge, hein. C'est du rouge sur le nord, hein. On est d'accord, hein. Je crois. Hein. Ok. Faudra qu'on essaie de se repérer par rapport à ça. Hein. Donc ça va être notre outil de guidage, la bouée. Ça va être notre GPS, donc bonne chance. Alors il me manque un truc là. Alors pour ce qui est du coconut flask. En fait, c'est tout simple, c'est que j'ai un truc que j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe en fait. Dans le menu de Craft C, on a Crafting, on a Building, et on a... Attends, on a même Véhicule. On a Véhicule,
Ouais, on a des véhicules. On a farming. En fait, on a plusieurs story. Waouh. Et consommables. Et coconut flask, c'est ici en fait. Il me faudrait une autre coco. Et du lashing, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. Notre coco et lashing. Bon, lashing, j'en ai sûrement. Hein, j'en ai plus sûrement. Est-ce que j'en ai jeté par là? Non. Ah, j'ai plus de lashing du tout. Ah, ça par contre, c'est pas. C'est pas une bonne nouvelle. Ah, c'est bon, il y en a encore un peu de yucca ici. Parce que le yucca, je suis pas sûr que ça repousse. Et si j'en ai plus sur mon île, il faudra peut-être à un moment donné que j'aille voir une autre île. Notre coco ici. Tac. Voilà. Et là, je peux crafter. Donc dans consommable, ici, coconut. Ah, mais j'ai pas fait de lashing encore. Attendez, crafting. Donc il faut faire le. Ah, j'ai pas. J'ai oublié des. Mince, j'en ai oublié. Ah, le yucca, il était dans les herbes là. Du coup, j'ai pas. J'en ai oublié. Mince. Oh là là, c'est le pire ça. C'est quand le yucca il est dans les hautes herbes comme ça là, on voit rien en fait. On voit rien. On voit pas où il est. Il était là, hein. Parce que là, c'est bon. La chine. Oh là là, pile. Pile ce qu'il faut. Alors, la chine, ça c'est bon. Consommable ici. Et là, on fait le coconut flasque. D'accord. Donc là, le coconut flasque, il est fait. Il nous manque quoi? Il nous manque plein de choses. Il nous manque la chine. Oh, il nous faut encore du lashing. C'est incroyable. Le lashing, par contre, j'ai plus de. J'ai cramé tous mes yucca là. J'ai cramé tous mes yucca. Il va falloir bouger. Il va falloir aller chercher du yucca sur notre île, je pense. Ouais. Mais il me semblait que j'en avais du lashing, mais je sais pas. Ah, j'ai tellement jeté à l'arrache tout ça, moi. Ok. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va y aller. Ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, là. Yucca fruit. Fruit de yucca. J'en ai plus qu'un. On n'a pas trop le choix. Alors, attendez, on va mettre ça. Je vais le mettre sur le camp, ici. On peut pas se poser droit. Voilà, on va laisser allumer. Je crois pas que ça consomme de l'énergie. Je suis pas sûr. Quelle heure il est ? 13h33. On va aller là-bas. On va aller sur l'île en face. Ah ! Mais non ! Mais oh là là, sérieux. Je vais retourner. Pas perdu ma pagaie. Wow. Heureusement. Donc on y va. On y va. On va aller sur l'île là-bas. Alors, c'est. Donc je mets le nord sur le rouge, on va dire que c'est comme ça. Et si je fais juste ça, est-ce que ça marche? Si je fais 120. Du coup, le retour il se fait à 340, c'est ça? On va mal en fait. Non, à 300. Si je vais en 120 là, à 140, le retour il se fait à 320. Ok, on va essayer comme ça. Pas convaincu. On va essayer comme ça. Waouh, un peu. Quand il s'assoit en plus, il se tord dans tous les sens. On a need cooldown. Ouais, y'a pas de cooldown, mon pote. Ces grands arbres, là. J'aime bien ça. Donc là, j'ai allumé la lanterne sur mon île de départ. Donc normalement, je ne devrais pas trop être embêté. Alors, surtout important, faut surtout le mettre sur la terre ferme, sinon il risque de se barrer, en fait, tout simplement. Alors, comment on est là? Ah, oui, la soif, c'est pas cool. Alors, tac, toi tu viens. À une époque, je faisais ça, je l'ai lancé en fait, il se cassait au sol. Je sais pas si ça marche. Waouh! Waouh, waouh, waouh!
Wow. Ah. Ah. Je t'ai attaqué. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais pourquoi? Tu veux quoi, toi? Waouh, il m'a éclaté. Attendez, c'est pas... l'histoire n'est pas finie. Alors, je vous dis, avec mon petit couteau, là... Ah, lui, il est mort, lui. Ah, toi, le cochon, là, t'es mort. Alors, tac, tac, allez, ramasse vite. Tac. Viens là, viens. Je sais pas si je vais pouvoir le tuer par contre. Très honnêtement, je pense qu'il va me tuer avant que je le tue. il m'a éclaté. Waouh, comme il m'a éclaté. Je m'y attendais pas, moi. Mais t'es des cochons sauvages maintenant. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Alors. Ah, l'escalade, c'est... C'est vraiment un art. Ah, mais non, mais... Il se tourne pas assez. Il tourne pas assez sa grosse tête, là. Je fasse quoi, moi? J'étais en train de tranquille de manger des noix de coco, lui. Lui, il m'attaque. Oh, je le tuerai pas. Je pourrais pas le tuer, là, je pense. Faudrait une arme. Tout ce que je risque, c'est de me prendre des dégâts de fou, là. Vite, Yuka. Bon. On va dépeupler l'île de ces Yuka. Ici. J'espère que les Yuka repoussent par contre. Hein. Parce que si les Yuka repoussent pas. Ah, ça va être une galère. Hein. Allez, on ramasse un peu des sticks, on ramasse un peu tout. Allez, on se barre. On se barre, Gensbar. Mon radeau. Ah ouais, serpent. Serpent. Oh là là, on l'a entendu, hein. On l'a entendu, le serpent. Ouais, cette île de taré, là, moi, je me barre. Je reste pas là. Alors, attendez. On avait dit combien? Ça doit être celle-là, c'est ça? 320, je crois, j'avais dit. Je sais plus. Oh, je suis à l'envers. Oh, mais ça, par contre, ça va me rendre fou, ça. Ah, mais non, mais froid, ça c'est un peu... Il y a vraiment une marche avant et une marche arrière, quoi. C'est incroyable. Il y a une place avant et une place arrière, mais c'est n'importe quoi, ça. Mais navigue comme tu sens, navigue à l'instinct, je sais pas. Wow. Chou, là. J'étais en dessous. Bon, par contre, je veux pas dire, mais le jeu est toujours autant bugué. Est-ce que je peux utiliser ma boussole en étant assis? Ça c'est nul, ça. Je peux pas utiliser mon poussin. Vu comme c'est géré, ça c'est un peu pourri, ça, les gars. Donc voilà, on s'approche. Donc là, on voit que c'est éclairé, en fait. Il y a la lanterne qui est allumée. Donc ça, c'est cool. C'est bien d'avoir trouvé la lanterne aussi vite dans le jeu. Ça me permet de mettre un marqueur sur mon île. Au moins, je sais où je suis. Et je sais où je vais. Donc là, je sais que c'est celle-là. Parce que, encore une fois, on est seul dans cet environnement. Du coup, bah, forcément, s'il y a de la lumière, c'est que c'est moi qui l'ai mise. Allez, on est arrivé. Bon, on a failli se faire tuer par un cochon. C'était de peu. On va mettre ça à l'abri. On va aller au lit. On va sleep. On va save. On a faim. On a très très soif. Mais bon, pour l'instant, on va surtout sleep et save. On va save déjà. Ça sauvegardait là ou pas? Il n'y a pas de message. Ah bon? Il n'y a pas de message, ok. Donc on va sleep et on va s'arrêter là. Moi, je vous dis à la prochaine. On verra si je fais une série dessus ou pas. Bon, c'était un épisode histoire de se remettre un peu dans le bain. Je vais voir comment vous réagissez. Comment ça réagit. Ah ben, on s'est réveillé à 4h du matin parce qu'on est tiraillé par la soif. Sur ce, on va s'arrêter là, les amis. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.